Non, mais tu as mis le poignet dans le poignet.
Là, c'est l'association Diaspora, je dois venir. En fait, là, c'était pour venir, puis c'est la fin de saison. Donc, il fallait qu'on passe jouer au foot. On a fini le foot, mais malheureusement, on a perdu. Les autres qui n'étaient pas là, ils sont partis en vacances. Ça fait tellement plaisir de pouvoir finir la saison de l'été. Vraiment, je remercie tout le monde, les gardes de l'association Diaspora. Et puis voilà, quoi, ça a été, ça s'est bien passé. Ça va continuer jusqu'à la fin et ça a fini. Tout était vraiment nickel. Et on remercie les gens de Sarcelles qui nous ont invités. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Quand est-ce que vous allez reprendre les activités sportives? En fait, ça sera au mois de septembre. Quel est le message que vous dites à tous ceux qui souhaiteront adhérer, vous rejoindre votre association? Franchement, ça sera avec plaisir. On est là, en fait, l'association Diaspora, j'y dois venir. On est là pour accueillir tout le monde. Donc, une personne qui veut nous adhérer, franchement, il vient, il est le bienvenu. Il va directement sur le site internet, il peut nous envoyer un mail et puis il n'y aura pas de souci. Merci. Voilà, le deuxième qui nous a invités, il est là, il peut dire quelques mots par rapport à la saison, par rapport au foot. Ben, nous sommes une association, le Manguier, qu'on appelle le Manguier, et tout le monde connaît l'association Le Manguier. Mais ça serait très bien si les gens peuvent venir assister à nos activités, les matchs, il y a des barbecues, on mange, on boit, voilà. Ça sera très bien si les gens peuvent venir nous assister. Voilà. Vous vous organisez combien de temps par mois? Combien de jours par mois? Tous les dimanches, on est là. Et c'est où le lieu que vous visitez? Nous sommes à Sarcelles. Oui. Vous venez à Sarcelles, vous demandez, de toute façon, vous demandez l'exotique, le Manguier, et puis on va vous montrer là où on joue. Et il y a tout ici. Il n'y a pas un numéro de téléphone? Ben, le numéro de téléphone, je ne suis pas. Venez à Sarcelles, voilà. Vous pourrez renseigner la pause, à Sarcelles. La pause, le marché de Sarcelles. Et vous allez voir, il y a boutique exotique, le Manguier, derrière la pause. Et tous les renseignements, c'est là-bas. Merci. Merci. Ben voilà, donc je suis le Terminator, l'ancien footballeur du Club Mokanda de Pointe-Noire. Bon. Et ben aujourd'hui, je me suis retrouvé avec les jeunes, donc ça me fait énormément plaisir d'être toujours dans le football. Donc voilà, on a joué, bon, ils ont marqué en premier, et après, bon, c'est moi qui ai effectivement égalisé. Donc voilà, après les jeunes, ils ont montré leur force, on marque 6 buts. Hein, donc à la fin, finalement, on a fini par l'emporter. Donc moi ça me fait plaisir en tout cas, voilà quoi. Et surtout encore, ça fait longtemps que j'ai pas été dans le milieu congolais. Bon maintenant, ça me fait plaisir de venir me baigner là, dans un bain patriotique quoi. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai. Bon, tout petit ball, j'ai Sengo, tout un Ibouya, la famille. Tout petit n'a pas de judoka, mais on va comprendre judo la foot. Donc peu, mais aïe, mais de comprendre, bon, il y a réagi. C'est important, la prochaine fois, il y a fair play. Moi, Batobaya, Katoum, mais là, il sera bien. Dommage, Pézani. Bon, bah, oui, Bangara, on vient à Bilia Pézani. Bah, ça va, Pézani. Il n'y a pas de soucis. Sauf Bassi Bazate. Écoutez là, s'il vous plaît, écoutez. Chers amis, chers frères, chers compatriotes, amis de la diaspora, je tenais à vous remercier de votre présence et d'avoir honoré à l'invitation. Et je tenais également à vous dire encore une fois de plus merci. Au nom du président René Rizé, au nom de l'association ASEL, au nom de l'association AS, au nom de l'association Les Manguiers de Sarcelles, au nom de l'association FAS, au nom de l'association Les Tchadiens, je vous dis encore merci pour cette retrouvaille amicale, fraternelle et digne d'une image d'amour. Et pour ça, je tenais à réitérer cette envie de se retrouver de temps en temps, partager un verre, jouer dans l'amour et dans la fraternité. Donc, ce dimanche, malheureusement, nous ne pourrons pas être en mesure de pouvoir organiser le tournoi
comme il aurait fallu, parce que nous sommes appelés à deux obligations. Et ensuite, nous ne nous cachons pas, nous ne nous voilons pas la face. Il y a la finale de la Coupe du Monde. Donc, et il y a d'autres manifestations culturelles qui sont organisées autour de la ceinture de Paris. Donc nous serons obligés de le reporter pour le dimanche 8. Donc nous vous invitons une fois de plus de participer et de manifester encore une fois de plus votre envie d'être parmi la diaspora congolaise. Sur ce, le geste, il est amical, il est fraternel et il doit être matérialisé par le remerciement et par un geste symbolique qui est la coupe. On les a favorisés, c'est pas normal. Le gros, il a financé l'arbitre. Mais non, mais le but est là.